applause for the Lord. Amen. Ça va? Comment tu t'appelles? Tania. Tu avais quoi? J'avais très mal à l'épaule. Très mal à l'épaule. Parce que j'étais tombée il y a quelques mois. On m'avait proposé. Il y a quelques mois, j'étais tombée. Oui. On m'avait proposé un emploi en CDI et pendant la période d'essai, j'ai fait une petite chute et je me suis déboîté l'épaule. Du coup, j'avais perdu mon emploi et j'ai toujours eu mal à l'épaule. Tu as toujours eu mal à l'épaule. Oui. Et puis, quand j'ai commencé à regarder vos vidéos, en fait, tous les soirs, je rêvais que vous veniez me soigner et que vous m'appreniez à prier sur des gens. Tu as rêvé que je viens te soigner. Oui, l'épaule et puis le ventre. Et puis le ventre. Voilà. Et puis que vous m'appreniez à soigner des gens. Et une fois, j'ai regardé votre vidéo où vous étiez en train de bénir l'eau. Et j'ai bu de l'eau en question bénie. Et j'ai commencé à parler en langue, à prier. Et je me suis levée, j'ai pris ma voiture, je suis allée chez ma sœur. Et j'ai prié pour ma maman aussi. Et j'ai commencé à lui toucher les jambes. Et puis après, elle me disait, ouais, j'avais mal aux jambes. Et puis après, elle avait plus mal. Ta maman? Oui. Et sauf que hier, quand on était en train de prier et tout, j'étais en train de me taper le ventre comme ça parce que j'avais très mal au ventre. Et mon mari aussi à la maison, faut prier pour mon mari parce qu'il sait que Dieu existe, mais il ne croit pas. Tous les soirs, je prie, mais Dieu, écoute-moi, touche son cœur pour qu'il puisse prier en même temps que... Franchement, faut prier pour mon mari parce qu'il a du mal. Je sais qu'il croit. Il s'appelle David en plus, mais Dieu a fait des miracles pour David. Pourquoi il n'en ferait pas pour lui? Je veux juste que Dieu touche son cœur. Qui touche son cœur parce qu'on a deux enfants, on est tous les deux dans la maison et que c'est lui le Joseph de la maison. Et là, il n'y a plus mal. Et là, j'ai plus mal. Tu es guéri. Je suis guéri. Alors, David aussi est guéri. Arrête! Ça va? Oui, pasteur. Tu avais quoi? J'étais l'une des premières personnes que vous avez vues ici. Yeah. Non, je suis là depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Je suis partie de Lyon pour revenir ici. Je pense que je suis l'une des personnes qui avait le témoignage au poignard d'ici où j'ai eu l'arrêt cardiaque avec ma fille jumelle qui a 7 ans. Oui, c'est toi, c'était jeudi. Oui, ma fille a eu l'attaque le jeudi d'avant. On regardait la vidéo, une famille canadienne électrocutée. Et je voyais la vidéo passer, il était 3h38, ma fille est quittée du lit et tombée sur le... Voilà, elle a eu l'arrêt. Quand on appelait déjà les pompiers, je faisais le massage cardiaque et j'appelais, je t'appelais, je faisais le massage. Et elle s'est réveillée et elle me dit qu'elle n'a rien eu, elle ne savait pas là où elle était alors qu'elle avait eu bel et bien l'arrêt. Et moi-même, quand je venais ici dans la nuit, j'ai eu le même problème. Donc, depuis que je suis arrivée, c'est avec le pasteur Ézéchiel que j'ai parlé hier soir. La personne, le problème de mari de nuit, le seul que j'avais toutes les nuits, depuis que j'ai préparé de venir ici, quand la personne vient, je lui dis viens, il me dit je ne viens plus. Toutes les nuits, les maris de nuit ne veulent plus venir. Vous avez déjà vu ça. Même les maris de nuit ne veulent plus de problèmes. Non. Je ne fais plus de problème. Even the spirit husband don't want a problem again. J'ai parlé avec le pasteur Ézéchiel hier parce que hier avant dans la nuit à l'hôtel, elle est venue, c'était une femme. Je lui dis viens, elle me dit non, je ne viens plus. Cette nuit encore, c'était j'ai changé de face. Je lui dis viens, elle me dit non, je ne viens plus. Elle vient mais elle s'arrête. Et la nuit tu m'as touché. Je suis partie dans les toilettes, j'ai bu l'eau. On a fait l'eau à la vidéo avec ma soeur qui est là. Et on a bu l'eau. Mais par contre, je ne sais pas ce que tu as mis dans l'eau que tu bénis là. J'ai mis le sang de Jésus. L'eau là, mes soeurs, je vous dis, on a été obligés de nous changer la chambre à minuit parce que j'ai bloqué les toilettes. Hey. On nous a changé. Tu as bloqué les toilettes. Oui, je ne sais pas ce qui est sorti de moi. Oh my God.
Non seulement j'ai bloqué les toilettes, je lui ai dit, je suis arrivée, j'ai vu l'éruption que vous voyez là, les choses sont sorties de moi. Jesus. Ça fait, c'est bien descendu. Il m'a dit, personne ne peut me toucher comme vous n'étiez pas là vendredi. Il a dit, il n'y a que le pasteur pour vous toucher. Hier, comme il y avait du monde, ça a commencé à baisser. J'avais comme des boules là. Ça a baissé. Donc, j'ai eu une délivrance pas possible. Voilà. J'ai une chose à vous demander. Une chose. Je suis mariée depuis 11 ans. Mon mari, Kalo Cameroun. C'est que ce que je peux vous demander, ma guérison, je l'ai déjà. Dieu a dit. Ton mari, il est au Cameroun. Oui, et c'est un grand homme d'affaires. C'est un grand homme d'affaires. Oui, je veux qu'il vienne. C'est tu veux qu'il vienne? Oui. Et il est né en Europe, il est au Cameroun. C'est tout ce que je veux. Il fait ses affaires là-bas. Regarde, les démons qui étaient dans ton corps là ne peuvent jamais permettre à ton mari d'être avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Acclame ceci. Acclame Jésus. Le mari de... Maintenant que le Saint-Esprit a chassé ces démons-là, now the Holy Spirit have ton mari, là où il est, son cœur chauffe pour te voir. Il m'appelle même là. Écoute, écoutez, écoutez. Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il m'appelle même là, il m'écrit là. Il vient d'écrire là. Tu es libre. Acclamons le Seigneur. Comment ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Myrlène. Tu habites où? À Reims. À Reims. Oui. Hier. Oui, hier. Comme lorsque vous m'avez appelé, vous avez dit poser les mains sur les ventres. Hein. J'ai posé ma main ici. Du coup, je suis sur la liste pour faire des opérations. Lorsque je suis allée à l'hôpital, avant j'ai fait échographie, j'avais rien. Lorsque je suis retournée à l'hôpital, on me disait que je suis malade. Et ils ont vu qu'il y a une masse. Après la masse, ils ne peuvent pas déterminer c'est quoi exactement. Après, le docteur dit, puisqu'on ne peut pas déterminer, on est obligé de te dire que c'est la thyroïde. Après la thyroïde, il y a beaucoup de cuisses qui sont apparues après. J'étais sur la liste pour aller faire opération le 23 août. Après ça, lorsque j'ai mal partout, j'ai des douleurs, tête et ici, tous mes pieds, j'ai des douleurs. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital encore, on me disait que j'ai fait fribom. Et après encore, j'ai des douleurs partout. Lorsque je suis arrivée, on m'a dit que j'ai la cuisse en dans mes pieds. Maintenant, hier, quand on a prié. Lorsque vous m'avez appelé, lorsque j'ai posé mes mains, et puis j'ai senti qu'il y a un truc qui s'est déplacé dans mon ventre. J'ai senti un effet qui s'est fait. J'ai dit gloire à Dieu parce que j'ai senti que le fribom s'est déjà parti. Et je sais que l'opération s'est déjà annulée au nom de Jésus. C'est fini. Comment ça va? Tout va bien? Bien. Tu y habites où? Je suis à Paris. Comment tu t'appelles? Patricia Boudé-Conti. Tu as fait quoi? En fait, je suis arrivée en France. J'ai déjà fait 3 ans. Donc, on m'a opéré 3 fois. On t'a opéré 3 fois? Trois de quoi? Le problème de trompe. De trompe? Oui. Donc, moi, avec mon mari, on a fait tout ce qu'il faut. Donc, j'ai amené les papiers. Maintenant, dès que je suis arrivée, j'ai dit « Ah Seigneur, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. » Donc, je vais arriver, j'ai pris les habits de mon bébé que j'ai acheté. J'ai dit que cette année, je dois avoir mon enfant. Dès que j'ai mis mon pied ici, j'étais derrière là-bas, vous êtes venu me toucher, tout ça. Et puis après, la nuit, là, je commence à... Regardez, elle était là. She was here. En bas de ce baffle-là. Under the box. Je suis venu, j'ai dit « C'est trompe. » Je parlais à ces trompes. J'ai prononcé les mots trompes. Papa. I was happened and now I que tes trompes se libèrent de ton corps, se libèrent.
Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, je vis ce trône. The Holy Spirit opened my eyes as I see. Et j'ai commencé à déboucher ces trônes. And I began to set them free. Et laisse-moi te dire, ma fille. And let me tell you, my l'année daughter, prochaine, next year, à la même époque, the same time, tu as un enfant. Oh my God! Oh my God! We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. Hallelujah. On joue pas avec Dieu. We don't play with God. Vous pouvez jouer dans vos affaires dehors. You can play in your businesses outside. Si vous jouez ici, vous allez le regretter plus tard. If you play here, you will feel sorry about it. Ici là. Here. Si vous blaguez ici, vous allez le regretter. If you play here, you will feel sorry about it. Acclamez Jésus-Christ. Hallelujah. Madame, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernadette. Bernadette? Oui, je sors de la Suisse. Tu viens de la Suisse. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait beaucoup pour moi. Bon, dis seulement ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait hier, là, ah, c'est... Ce qu'il a d'abord fait le mois de février. Moi, je suis venue, c'est ma danse qui m'a amenée ici. Ah. Alors que moi, je dis, Jésus se veut guérir, j'aime pas, va là-bas. Elle me dit, on y va d'abord, allez, tu vas voir. On arrive ici, le jour-là, on délivrait les gens qui boivent et les gens qui fument beaucoup, là, j'étais là. Donc, je ne me suis pas levée toi, parce que moi, je dormais toi, toujours avec une bouteille de whisky en main. Hey! Ouais. Dans la chambre. Dans la chambre avec un verre. Si je me lève à 5 heures du matin avec mon verre de whisky et la bouteille, j'ai dit au Seigneur, papa, si c'est le diable ou c'est que toi-même qui m'as permis de boire comme ça, papa, enlève-moi cette connerie devant moi. Si je rentrais donc, je n'ai plus touché. Dès que j'ai envie de goûter, je vomis seulement. Hey, 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 hey. My God, quel témoignage. L'alcool a été banni. Deuxième tour, donc je suis là ici. Je suis venu déjà trois fois. Deuxième tour, papa priait ici pour nous. Donc j'étais là-bas au fond. On a appelé Agnès. Agnès, c'était ma fille. Je n'arrivais pas à venir ici. Quand j'arrive alors pour la fin, quand on pose les mains, papa dit qu'il y a une femme ici avec un chêne. Les chênes doivent détacher. Et il y a aussi ça doit finir. Et j'ai tous ces problèmes j'avais. Je ne pouvais pas m'arrêter 10 minutes parce que le dossier, je n'avais pas ça. Alors j'arrive dans l'hôtel, je dors. Je rêve de 23h à midi. À minuit, je vois que papa est debout en train de prier. Je me lève. Il prie, prie, prie. Je vois comme une ceinture qui quitte de mes reins. C'est ceinture, la ceinture que les gens en Afrique partaient à la chasse avec. Qui avait les ceintures marron avec les balles rouges. Uh-huh. C'est tombé. J'ai dit amen. Papa dit que tu es guéri, va. Depuis que le jour-là, je n'ai plus mal au rein. Acclame. Acclame. Tu es libre. C'est fini l'alcool. Madame, comment ça va? Ça va, ça va. Je viens de Rennes, je m'appelle Daniel. Daniel? Oui. Daniel. Oh God, mon oreille est largement ouverte. Ma ear a open. Et mon oeil. Tu croyais que tu allais acclamer pour ça? Oh my God, quelqu'un connecte-toi à l'Esprit Saint. Ma ear a wide open. That's the good news. We like that. Je vois un O. I'm seeing an O. Je vois un D. I'm seeing a D. Je vois un J. I'm seeing a G. Quelque chose comme ça. Je vois un O. Oh oui. Je vois un D de Daniel. Oui. Je vois un J de jeune homme. Oh, 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 je vois encore un I. Oh, G. Je vois un A. Oh, hey, ça c'est fort. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. La la my God. Mm-hmm.
onction prophétique est dans cette salle. C'est qui? Who is that? If that is you, raise your hands up. C'est qui? Lift up your hands. C'est un quartier de Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Qui habite à Oudia ici? Toi, tu habites à Oudia? Toi aussi, tu habites à Oudia? Venez tous les deux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que ça, depuis 2012, j'étais malade. J'ai un problème de colonne vertébrale. On m'a hospitalisé, je suis sorti des médicaments. On m'a envoyé dans les maisons de repos vers Brest. J'ai fait 2 mois là-bas. Et les médecins, ils ont dit que j'ai une maladie qui s'appelle maladie forestier. Forestier? Ouais, donc je ne peux plus travailler. Donc tu étais à la forêt là? Je ne peux plus travailler. Donc depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. La forêt est compliquée, quoi. Ouais. Maintenant, on va t'amener en ville. Ouais. Donc là, du coup, un jour, j'ai zappé mon téléphone. Les je suis tombé. Venez ici. Oui, je suis dans la chambre. J'ai zappé le téléphone. Je suis tombé sur votre prédication. J'ai dit, mais ça, c'est qui encore? C'est Jupé Macandu. Et alors, en mars 2019, je voulais aller en Afrique du Sud. J'ai demandé à mes enfants de me chercher le billet parce que je suis fatiguée. Ils me disent, maman, tu voulais aller là-bas? J'ai dit, je voulais aller là-bas avant d'aller à Bangui. Parce que je voulais savoir ce qui se passe dans ma famille. Parce que dans la famille de mon père, il y a des sorcelleries. Mais ils m'ont attaqué avec ça. Avant de partir, il faut que je parte en Afrique du Sud. Donc, je suis partie à Bangui voir ma mère. Et je suis restée là-bas pendant 2 mois. Je suis rentrée. Et après, mon ex m'a dit, il faut aller voir ta fille qui se trouve au Cameroun, à Bertois. Donc, j'ai dit, avant d'aller... Ta fille habite au Cameroun? Oui, au Cameroun. Donc, j'ai dit à ma petite soeur, Patricia, je dis, regarde, j'ai trouvé le pasteur là. Il habite à Lille. Cherche-moi l'adresse là, je vais aller voir le pasteur là avant de partir. Parce que je ne peux pas partir comme ça. Parce que quand j'arrive à Bertha et je continue sur Bangui pour aller voir ma mère. Donc, elle a trouvé l'adresse. Elle m'a envoyé le numéro, j'ai appelé, j'ai trouvé une soeur. Donc, elle m'a parlé, j'ai dit d'accord. Mais je quitte le 18 pour venir. Et on est arrivé vendredi avec ma petite soeur. Et le premier jour de vendredi, quand j'ai mis mes pieds ici, ça ne va pas. Je commence à vomir, je tremblais comme ça, je vois mon colonne qui se craque. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et l'église est finie, on était rentrés à l'hôtel. À l'hôtel, je dormais, j'ai mal. J'ai dit à Patricia, mais là, c'est quoi encore? J'ai dit, bon, on continue dans la prière. Et cette nuit, j'ai dormi, j'ai vu... Un monsieur qui me dit, mais pourquoi tu es venu là? Je dis, mais où est ton problème? Quand j'ai dit, où est ton problème? Après, je me suis réveillée. Je dis, mais là, c'est quoi ça? Donc, j'ai dit, bon, Patricia, on va à l'église. Est-ce que tu as toujours mal? Là, non. Il n'y a pas de mal. Il n'y a rien du tout. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Donne-moi une chaise. Can somebody give me a chair? Nous avons un problème ici. C'est-à-dire l'indice là, la chose est énorme au fait. Parce que ces sandales là laissent un peu le pied, l'espace. Mais si on colle, vous voyez, si je colle ça avec les pieds, je colle aussi ça, on peut voir la différence. Essaye de faire tes pieds comme ça. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Si je te laisse partir comme ça, je n'ai rien fait comme travail. Father, in Jesus' name, fais-nous grâce.
guéris cette femme complètement. Que cette jambe droite pousse à la hauteur de l'autre. In Jesus' name. Acclamons Jésus. Odia. Vous habitez, vous êtes de Odia. J'ai construit à Odia. J'ai commencé la maison en 2010. Je n'arrive pas à finir jusqu'à aujourd'hui. Vous, j'ai tout ici. La maison complètement bloquée. Alors que quand j'ai acheté le terrain, j'ai tout donné au propriétaire du terrain. Il nous demande souvent la nourriture, tout. J'ai tout donné, mais la maison, je ne finis pas. Donc ça fait que quand je pars au Cameroun, j'habite dans ma maison de derrière. La grande maison, je n'arrive pas. Tu voles la dîme. You steal the tithe. Voilà. Ça va se savoir. Elle vole la dîme, elle vole les offrandes, elle vole tout de Dieu. The offering, et elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. Ah oui, j'ai dit la vérité, non. Quelqu'un a reçu la délivrance maintenant même. J'ai dit quelqu'un a reçu la délivrance. Alléluia. Regarde, tu veux finir ta maison maintenant? Oui. Hein? Oui. Now you want j'ai to perdu le travail. Je veux finir. Oh, oui. Les sorciers de Oja ont tout pris. Oui, ils m'ont tout pris. The witches of Oza have take everything. Et bloqué. Une grande maison quand même, hein? It's a big house, hein? Ça a 10 chambres. À 10 chambres. À coucher. Toi aussi. Moi aussi, mon immeuble est bloqué. Ton immeuble est bloqué. Tu as un immeuble, mais la dîme, tu ne donnes pas. Je donne, papa. Tu as donné où? C'est parce que j'avais eu deuil. J'ai 6 deuils depuis janvier. Ils t'ont bloqué. 6 deuils depuis janvier. Oh Dieu. Et les voleuses de Dieu, là. Alléluia. People that steal from God. Levez vos mains. Mon Dieu va vous faire grâce. Amen. À partir de maintenant. Vos maisons vont finir. Amen. Les travaux vont recommencer. Touche ma mère avec l'autre. J'enlève cette malédiction. I take by away fire, the fire, by force. Par le feu, in the mighty name of Jesus, take it. Go. Now. My God, don't she go? Don't she go? Acclamez Jésus-Christ. C'est fait. It is done. It is done. It is done. It is done. My God. It is done. Je suis à Odia maintenant même. I am in Odia right now. J'arrête tous les sorciers de Odia. I arrest every. In the mighty name of Jesus. Allez-y. Go. Ils sauront que je suis serviteur de l'Éternel. They will know that I'm servant. Madame, viens. Woman, come. Vous avez parlé de problème d'estomac. Donc, avant de venir, 2 semaines avant, j'avais un point ici en haut, j'arrivais pas à respirer, j'étouffais. Tu étouffais ? Ouais. Et hier, quand on a prié ? Quand on a prié, je le sens plus même jusqu'à tout maintenant. Tout est fini. Tout est fini. Acclamez le Seigneur. L-K-A, something like that. Quelque chose dans ce genre, si c'est toi. L-K. Rapidement, plus rapide que les morts. L-K. Viens, c'est toi. C'est toi. Tu habites où? À Roubaix. Where do you stay? À Roubaix. Non, Roubaix, près de Melun. Près de Melun? Ouais, dans le 77. Dans le 77? Ouais. Près de Melun? Oui. Tu as un problème dans ton... C'est quoi ça? Non, c'est un cancer que j'ai eu il y a près de 30 ans. J'avais été opérée. Il y a un cancer que tu as eu près de 30 ans? Oui. Tu avais été opérée. Ouais. Et ça t'a laissé avec cette malformation-là? Oui. Quelqu'un acclame le Seigneur.
Attends deux minutes, j'arrive vers toi. Oui, tu mon Dieu te localise. Tu étais assis où? Là derrière au bureau là-bas. Oui. L'œil de Dieu est là-bas aussi. Oh, tu n'as pas entendu ça. L'agneau est sous verre. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? What do you want Jesus to do for pour you? Mon enfant. Elle est parce où? Il est à l'hôtel avec mon mari parce qu'hier on était là, il était un peu trop agité. L'enfant était agité? Oui. Il a un et problème avant d'autisme. Ça, j'ai voulu. Je n'ai pas voulu témoigner tout à l'heure parce que j'ai mon ami qui est là derrière qui m'avait envoyé vos vidéos. Et pendant 3 jours de suite, j'ai regardé la vidéo et je me suis réveillée la nuit. J'ai porté mon enfant qui était devenu un bébé et je n'arrêtais pas de dire « Esprit de mal, je te sors de là au nom de Jésus-Christ ». Je n'arrêtais pas de dire ça en touchant mon enfant qui était tout bébé entre mes mains. Les bébés, l'enfant que tu as amené ici? Oui, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Il a 18 ans. Mais là, dans les rêves, il était un enfant. Oui, parce que son problème a commencé dès le bas âge. Dès le bas âge. Oui, et à l'hôpital, on n'a jamais rien vu. On m'a toujours dit d'aller voir en Afrique. Ok, mon Dieu t'a localisé. Ah oui, et deux jours après, vous étiez près de moi, vous m'avez touché la joue. Vous avez j'ai touché la joue, j'ai enlevé la chose. Ouais. C'est ce qui va se passer maintenant. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. C'est elle-même qui a vu dans le rêve. Toi et moi, on s'est parlé avant? Non. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois que tu viens. Lève-toi demain. By fire, by force. Par le feu, par la puissance. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. I command you, come out. Go. In the name of Jesus. Quelqu'un acclame le Seigneur. L'agneau est souverain. Monsieur, viens. Ça va? Ça va très bien. Je m'appelle Henri Boissy, je viens de Orléans. Tu viens de Orléans? Oui, un frère en Christ depuis au moins 40 ans. Ok. Mais la connaissance biblique, je l'ai. Mais le Saint-Esprit, à sa dimension comme je vois ici, je ne l'ai pas. Il est honnête. Lui au moins il est honnête. Lui au moins il est honnête. Alors, donc je suis venu pour demander au Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, l'onction qu'il a donnée à son serviteur J.P. Mackenzie dans le monde entier, qui me le procure par la grâce de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et après c'est l'enlèvement. Allez au ciel. Maranatha. Hey, alléluia. Il a prêché. Il a prêché. La Bible dit aspirer au don le meilleur. Amen. Si tu aspires, tu l'auras. Hein? Si tu aspires, tu l'auras. If you desire, you will receive it. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ton corps? What have God done in your body? Hier, j'avais avant de venir déjà ici, donc j'avais la diarrhée déjà. Before I came here, puisque j'ai suivi diarrhée. Aussi donc les nets, j'ai bu aussi de l'eau. Alors donc j'ai passé à la toilette plusieurs fois. Donc ça m'a jamais arrivé. Et après, donc, mon épouse m'a dit, mais toi, il faut que tu ailles chez cet homme-là, j'ai pris ma case pour être délivré. Hein. Moi, j'ai dit, et puis il m'a dit, bon, tu peux rester même un mois. Moi, j'ai dit, non. Après, elle a changé, elle a dit, attention, il ne faut pas ramener la magie ici, c'est un magicien. And after she changed, don't bring a magic. Lève-toi demain, tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et tu vas aller dans le monde entier. Ne quitte pas ta femme parce que le Seigneur délivre ta femme. Je vois dans le bas-ventre de ta femme quelque chose qui est dans son bas-ventre qui la dérange. C'est cette chose-là. Elle a le fibrone. Oui, il y a quelque chose. Donc, elle m'avait dit. Donc, le médecin lui avait dit. Le médecin lui avait dit ça. Voilà. Qu'il dérange pour concevoir encore. C'est ce matin, c'est midi, cet après-midi. La grâce arrive vers vous. Take it! Now! Seigneur, donne à cet homme. God, give to this brother. Donne à cet homme. Give to this brother. L'onction. Anointing. Les dons, les prophéties.
des guérisons et des miracles. Healing and miracle. Au nom de Jésus. Clamons le Seigneur. Regarde. Va. Merci. Prie beaucoup. Pray a lot. Lis la Bible. Dieu te bénisse. Et tu vas voir. Acclamons le Seigneur. Jesus. Comment tu t'appelles? Thérèse. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'avais un serpent là. Tu avais un serpent? Pourquoi j'ai dit un serpent? Parce que dans mon songe, un jour j'ai vu un petit serpent qui m'est rentré. Dans le sexe? Oui. Et j'ai prié, j'ai bu le sang de Jésus, l'huile d'onction, j'ai bu souvent, mais il y avait quelque chose là. Quand ce n'est pas un rêve ça. Ça c'est la réalité. Et ça se passe dans la vie de beaucoup de gens. Surtout en Afrique. Les Africains, oh la sorcellerie, oh l'Afrique, oh l'Afrique, l'Afrique, hein? C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez délivrés, les sorciers là, ils vous découragent. Ils parlent contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu, ils savent que nous voyons tout et nous détruisons leurs œuvres. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de gens, vous êtes ici. Quand tu t'accouples avec ta femme, tu sens quelque chose qui te pique. Les hommes, vous êtes ici. Dans mon esprit, je vois trois hommes. I'm seeing my spirit three men. Tu viens me voir tout de suite. Come and see me right now. Chaque fois que tu t'accouples avec ta femme, il y a quelque chose qui te pique dans ton corps des hommes. Anytime you have a relationship with your wife, there's something that is biting you in your private part. Viens. Encore une autre personne. Acclamez le Seigneur. Le troisième, je le cherche. The third one, I'm looking for you. Toi, tu es marié. Hey, tu n'es pas marié, toi, tu fais quoi? You are not married, hey. And what are you doing? Viens ici, toi, tu es bandit. Toi, tu n'es pas marié, tu t'accouples avec qui? You are not married. You are avec une fille in a relationship with who? Et tu crois que je vais te délivrer pour aller encore avec une fille? Tu es voleur, c'est pourquoi on te pique. Alléluia. Toi, tu pêches. You are sinning. Tu vis dans le péché? You are living in sin. Elle est où? Quelqu'un a reçu la délivrance maintenant même. À la maison avec oui. Toi. Oui. Tu vis avec? Elle passe des fois. Hein? Mais oui, elle est là en ce moment. Elle est où? À la maison, à Roubaix. À Roubaix? Oui. Tu vis avec? Elle est à sa maison, mais elle vient chez moi. Chasse-la, elle doit retourner dans sa maison. She needs to go back. Elle a sa maison. Oui. Elle doit rentrer dans sa maison. She needs to go back in her house. Okay? Ok? Je me fais en cette relation-là. À partir de maintenant. Jeune homme! Si tu ne m'écoutes pas, ils vont t'enterrer. If you don't listen to me, they will bury you. My God. My God. Bravo. Oh, les gens meurent jeunes. People are dying young. Viens ici. Lève tes deux mains. Ça marche partout. C'est comme un serpent qui marche dans mon cou. C'est comme un serpent qui marche. Oh, Satan, come out! Go! Out! Go! Ça va? Tu as honte, hein? Pourquoi tu es passé alors? Regarde là-bas, ils vont voir, ils vont te voir. Regardez, c'est elle. Mais j'ai vomi hier. Tu as beaucoup vomi hier? J'ai beaucoup vomi hier. Il n'y a plus cette masse parce que le docteur me dit c'est parce que je suis constipé, il n'y a rien. Donc les serpents là. Mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai vomi. Tu as vomi? Oui. Maintenant ça ne bouge plus.